C'est peut-être un petit peu plus compliqué physiquement avec l'enchaînement des matchs. On sait que là, il y a énormément de matchs qui s'enchaînent entre les coupes et le championnat. Ça va continuer encore pendant 2 semaines avec des semaines à 2-3 matchs. Et, voilà. Mais après, c'est notre métier, on va récupérer et on ne perd toujours pas et c'est aussi important. Mais physiquement, forcément, pour les organismes, d'enchaîner, de faire 2 matchs par semaine au lieu d'en faire un, ça demande plus d'efforts, ça demande plus de récupération et c'est plus éprouvant. Mais je pense pas que ce soit une excuse pour les matchs nuls contre Angers et contre Bordeaux. Non, ça ne m'inquiète pas, ça ne nous inquiète pas. Il faut, voilà, on a peut-être un peu plus de mal à se créer des situations, mais on garde une bonne assise défensive et on n'a toujours pas perdu. Il faut qu'on continue comme ça. On sait qu'une saison, c'est long. Il y a forcément des matchs où on est un petit peu moins bien, mais on s'accroche et on est toujours dans nos objectifs. Ah oui, mais ça c'est depuis le début de la saison qu'il nous fait des gros matchs. On sait que chaque fois qu'on a besoin de lui, il va répondre présent. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour lui, mais c'est un très grand gardien. Bonne soirée. Merci.